Bien sûr, pour notre auditoire, tu es aussi le neveu de Luchino Visconti. Et donc, quelle a été son influence dans ton travail? Énorme du point de vue, comment on peut dire, créatif, énorme du point de vue sentimental. Il était un oncle adorable, terriblement sévère. C'est difficile à croire parce qu'il avait l'air d'être un peu un fou comme ça avec sa vie personnelle, mais par contre, non, il était très sévère, très, très doux. Et puis, il nous a appris la méthode. Il disait, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que vous allez faire, mais si vous voulez créer, va prendre la méthode pour le faire. Et la méthode, c'est d'oublier l'argent, d'oublier l'idée de devenir fameux, comme ça, se concentrer carrément sur l'œuvre, même vendre la maison comme il faisait tout le temps. Il vendait sa maison pour produire le film, puis avec l'argent qu'il faisait avec le film, il rachetait au double la maison qu'il avait vendue. Et donc, adhésion totale. Et à chaque oublier l'œuvre déjà faite complètement, se concentrer à nouveau sur la nouvelle. Moi, je fais ça tous les jours, tu sais. Pour moi, je vis, hic et nunc, disait le latin. Je vis la journée comme la journée finale, comme si c'était la première et la dernière, disait Sant'Agostino. Et il faut vivre comme ça. Donc, à chaque fois, la photo, si c'est payé, si c'est pas payé, ça m'importe pas. Je veux pas même pas savoir. Quand il me donne, je ne veux pas faire des gradateurs de valeur, tu vois. Pour moi, c'est l'unique possibilité que j'ai pour exprimer mon valeur, c'est la photo d'aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Ça m'a permis de rester 40 ans comme ça. Parce que tous les messages que j'ai jetés dans la communication, à partir de mon île isolée, tu vois, parce que le prix à payer pour travailler sur ce qu'on est, sur le côté différent des autres que tu as, et que tout le monde a, c'est la solitude, non? Tu travailles sur tout ce qui te rend différent des autres, sur le petit côté qui te rend différent des autres. Et donc, évidemment, même si tu es social, tu es un peu seul. Mais alors, je jette mes messages dans la bouteille, tu vois, mais dès que j'ai jeté le message dans l'océan, ça m'intéresse pas. Ce sera à toi de recevoir et comprendre. Quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune photographe? Celle que je donne à mes assistants et à mes élèves, comme ça, de chercher la différence, de descendre en profondeur dans soi-même. Il y a toujours une différence. Nous donne la certitude qu'il y a une diversité entre chaque être humain. On est similaire, mais on n'est pas égal. On est toujours. Alors, il faut descendre là-bas, se chercher, mais vraiment pas chercher, c'est ce que on voudrait être, c'est ce qu'on est. Si on trouve qu'on est timide, il faut faire une esthétique timide. Si on trouve qu'on est arrogant, il faut faire une esthétique arrogante. Il faut jouer la différence, parce que sinon, ils vont faire tous à peu près la même photo. Et donc, même avoir le courage de se définir, de dire, moi, comment je suis, quoi, je suis timide. Si tu commences à dire, mon caractère, c'est timide. La timidité, ça va devenir, comment on peut dire, la base de mon esthétique. À ce moment-là, tout est facile, tu vois. Imagine un cadrage timide, une lumière timide, un visage timide. C'est tout simple, c'est tout facile, et c'est tout probablement unique. Est-ce que tu as une vision de ce qui se passe à partager avec nous tous en 2020, cette année tellement particulière? Il y a beaucoup de choses à apprendre de cette année, d'après moi, tu vois. Surtout, récupérer vraiment le rapport avec la nature, parce que tout ça descend même du terrible, comment on peut dire, terrible offense qu'on a portée à la nature pendant des centaines d'années récemment. Et en plus, même se concentrer, comment on peut dire, même de rester un peu plus concentré sur soi-même, chercher la différence, mais même les choses qui puissent comment dire, nous unir, nous rendre fiers d'être partie de la nature avec le nom d'être humain. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai passé le temps de ces 3 mois que j'ai vécu à la maison tout en créant. J'ai travaillé, j'ai fait des photos, j'ai fait toute la série des nymphes et comme ça. J'ai écrit un livre de poèmes. Voilà, tu vois.
on peut récupérer des choses même dans le mal de cette année difficile, tout en gardant la, comment on peut dire, le rêve qu'on puisse refonder un peu le rapport entre être humain et nature et aussi entre être humain tout court. Tu vois, on a compris qu'on est très faible et ça c'est très important. Il faut s'en souvenir, tu vois, tout le temps. On n'est pas les dieux, on n'est pas encore des dieux. Et donc, vivre dans l'idée d'être faible et renforcer le plus possible, la beauté peut nous aider beaucoup.